Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de 16 pour l'épisode 5, pourquoi je vois comme ça, je sais pas. Pour l'épisode... Waouh. Et le micro, je me demande s'il est bien configuré, j'ai encore baissé le son du micro, je pense qu'il est trop... Là, je vois des pics comme ça, je crois qu'il sature un peu. Donc c'est l'équipe de 166 pour l'épisode 5 sur Crash Bandicoot, je fais une petite pause, excusez-moi, le temps de configurer le micro. Il a tendance à se mettre à 100%, on sait pas pourquoi. Allô? Ah ouais, mais en fait, l'enregistrement, ça me bouffe mon processeur de ouf. Genre, j'ai un processeur à 400 balles, un i7-7750K pour ceux qui connaissent, et l'enregistrement, depuis que le Game Capture a été mis à jour, met les processeurs en PLS. Ah, je suis dans un... Oh! Sympa. Sympa. Et le... J'aime... Graphiquement, je trouve ça très très beau. Artistiquement. Ok, donc en fait, ceci n'améliore pas du tout ma lumière, ma résistance, je pense. C'est purement de la lumière. Parce qu'il y a seulement des caisses et des ennemis dans ce jeu. Ouais, ouais. Oui, des caisses, il y en a 15. Ah oui, il faut pas mourir, c'est une gemme colorée. Oh putain, je sens que c'est... Je sens qu'il suffit d'un seul timing. Et après on est dans le noir complet. Oh oui, je sens que la lumière est en train de foutre le camp. C'est bon. Oh là c'est mort. Oh shit. Oh shit. Il y a un truc qui est passé devant moi. Oh shit. Encore 5 caisses. Le casque était juste devant le... Ah, j'aimerais bien le faire sans mourir. Ouf. Ah, c'est ça qui était passé devant moi. Oh non, il faut une gemme. Viens là, mon ami. Double lame. Oh oui, magnifique. Oh ça passe pas, oh ça passe. Oh quel homme. Bon, il fallait une gemme, mais voilà. C'était super bien. Là franchement. Alors par contre, on sait jamais quelle gemme débloque quelle gemme. Et ça c'est dommage parce que. Enfin j'ai pas compris. Mais facile à faire sans mourir, à voir où est-ce que la gemme nous emmène. La question c'est est-ce que mourir dans les niveaux bonus, enfin les stages bonus, enfin les parties bonus, compte comme de réelles morts, je ne sais pas. En tout cas, c'était très très cool. Oh! Les mâchoires, les ténèbres! Je pense qu'on approche vraiment de la fin du jeu, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais... Pardon. Ça venait. Merde, déjà, c'est con. M'a fait peur le con, j'ai pas osé bouger. Enlève-toi les flammes, hein. Oh, c'est bon, ça suffit, j'ai donné, là. Oh, shit. Oh, le bugger. Ça, il y avait vraiment la même mécanique sur Game of Thrones avec les lames qui sortent une première fois et enfin entièrement... Enfin, enfin. Genre, on attend ça, quoi. Non, mais... Ah, les petites chauves-souris. C'est-à-dire, ne sautez pas. Là, j'ai fait mourir. Si la plateforme du bas était pas collée à celle en face, je serais mort. En sautant dans le vide, ça aurait été con.
Ah, j'ai un cortex. Eh, ça va pas activer ça. Faut que je m'en sers pour sauter. Ouais, le temps de comprendre des fois. Ah, donc là il y a deux niveaux secrets. Ah, you fuck my. Oh, you fuck my wife! Je dois avoir 10 vies là, 11 ouais. Remonte pas, attends, reste là, merci. Oh, il faut pas trop avancer non plus, parce que là, du coup, niveau visibilité, c'est pas le top. J'essaie de voir s'il y a deux chemins en fait. Bon, au pire, on s'en fout, ce ne sont que des pommes. Hein. Magnifique. Et non, il faut une gemme, donc je... Oh, j'avais pas de... Je pensais que j'avais encore un coup à coup avec moi. Donc à la rigueur, on s'en fout. Il faut une gemme. Donc je vais pas l'activer ce truc à chaque fois. Ça, c'est pour les pommes, hein, bien sûr. Il faut faire un long saut, sinon ça ne marche pas. Donc là, on est carrément dans le défaut des perspectives sur ce genre de jeu, en fait. Regardez. J'ai un... À la base, je restais appuyé sur le joystick vers la gauche quand je me suis dit que ça allait pas passer et j'ai bien fait parce que sinon je serais décédé. Ah, il y a vraiment des problèmes de perspective typiquement dans ce genre de... Ah, ce saut ne passe pas. Ah si. Je me suis dit ok, c'était dans la merde. Oh, je croyais que j'étais passé. Et donc là, niveau perspective, on a l'impression qu'un simple saut suffit, alors qu'en fait non. Et est-ce que ce n'est pas un peu la définition de la décevance? Je sais, ça ne se dit pas. On dit quoi quand quelque chose est décevant? Le nom. La déception, exactement. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Parce que moi avec le français, vous voyez, c'est pas... C'est ma langue maternelle, mais bon. Oh, ça passe pas parce que la hitbox, elle m'a dit fuck you. Ah bah voilà, c'est bon. Je suis invincible. Non mais regardez-moi. En fait, vous voyez pas le joystick parce que du coup le personnage est en dehors de la vue. Donc vous voyez pas exactement ce qu'il fait, mais... Je vous assure que c'est un scandale. Genre, allez, donc j'étais invincible et je ne... Ok. C'est vraiment extrêmement contre-intuitif. La trajectoire que je prends. Genre là, et en fait, à ce moment-là, je lâche le joystick et je pense... En théorie, je suis sans... Enfin... Au moment où je lâche au moment où je lâche le joystick dans ma tête, je me retrouve vraiment au bord de la plateforme et à chaque fois, je me retrouve au milieu. Donc ça me prouve à moi. Mais putain, je vais pas me faire avoir à tous les rounds, quoi. J'arrête de parler de round, ça c'est CS. Quand j'essaie plusieurs fois la même chose, à cause de CS, j'ai l'impression que enfin, de devoir appeler ça des rounds. Là par contre. Ça passe. Attendez. Tac. Tac. À quel moment je suis censé y aller? Non, je le fais limite au timing le truc. Hein. Là c'est pareil, le deuxième saut, je sais pas pourquoi je m'en trouve à chaque fois aussi. Autant dans la merde. Non mais c'est bon, on ne mourra pas à tous les coups. Hein. Ah ouais, ça one shot quand même. Mais c'est quoi ce délire? Ah non, je suis encore vivant. Ok. Là concrètement je comprends rien à ce qui se passe. Là je subis. Donc on avait le droit à un super niveau fort sympathique avant.
Et là, on est clairement dans un niveau où le jeu te dit tu vas en prendre plein la gueule et si t'as pas un aku-aku, tu ne peux pas passer ou alors tu ne comprends pas. Et toi, t'as juste envie de dire ah, bien sûr que je comprends. T'essaies de me la foutre à l'envers. Non, je déconne, j'avais compris. Mais non, mais. Oh, les perspectives. Je vous jure, c'est des perspectives. Regardez. Non, mais moi, je suis désolé. Mais au moment où je saute, je suis persuadé d'être bon, en fait. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est. Et voilà. Et là, je pensais que c'était loin, alors qu'en fait, c'était collé. Et non, c'est vraiment. Ouf. Là, on est clairement. Ouais, non. Non, là, franchement, c'est pas de la mauvaise foi. Hein. Le jeu est très très bon, mais il y a un défaut dans tous ces niveaux, dans le noir, en fait. C'est avec la perspective. C'est très. Parce qu'en fait. Pour pallier les défauts de perspective, on utilise instinctivement l'ombre du héros. Mais dans le noir, comme ça, au-dessus du vide. Tu vois pas l'ombre. Là, j'ai quand même commencé le niveau avec 12 vies. Et je vais le finir. Oh, ça, ça se tente. Ah, c'est. Il suffit juste de marcher. Ouf. Ouais, bah, est-ce qu'il y a. Je pense pas qu'il y ait deux cortex là. Il est où votre cortex? Mais non! Game over. Fin de partie. Après là, ok, j'ai beaucoup de mauvaise foi, mais il y a quand même un énorme défaut de perspective. C'est-à-dire que chaque saut, c'est un peu la surprise, quoi. Le problème, c'est que si on se souvient pas, c'est ça, ces fameux bruits sourds qu'on entend. C'est quand je tape la table, c'est insupportable. Par contre, j'aimerais bien savoir où est le cortex qui me manque. Parce qu'il me manque un cortex quand même. Hein. Ah non, je vais vérifier tous les angles. Hein. Il me manque un cortex, moi, c'est-à-dire que voilà, quoi, sur le papier, je suis pas chaud. Là, c'est pareil, comment on sait pour savoir où sont vraiment les pointes par rapport à nous? On est obligé d'un peu de pousser et honnêtement j'aime pas trop ça. En plus ces niveaux sont quand même vachement plus longs que les niveaux en 2D. Hein. Globalement. Tiens. Que ça c'est vraiment le premier cortex. Mais j'ai pas activé le coupon. Ah bah on va tenter des trucs hein. J'ai plus que ça à faire hein. J'ai complètement oublié d'activer le checkpoint. J'aurais pu m'en servir genre pour sauter plus haut, je sais pas. Yolo. Faut que j'arrête de faire des. En fait j'essaie de chercher où est-ce qu'il pourrait avoir un. Une caisse de cortex supplémentaire. Mais là j'étais con là. Là j'ai vraiment été con par contre. Tenter des trucs c'est bien mais quand t'es à côté d'un checkpoint et de pas activer le checkpoint c'est tellement stupide. Non mais c'est un scandale! Ah oui non je suis con. Après j'ai cru qu'elles étaient en train de rentrer quand je suis arrivé mais non elles allaient sortir. Ok, je pensais que ça s'éteignait, en fait non ça s'allumait. Donc là je vais juste me jeter dans le vide jusqu'à avoir des vies parce que. Attendez, j'ai une question con, mais. Ah, on savait pas, hein.
Et donc du coup, faut que je pense à la première araignée à rebondir dessus, voir s'il n'y a pas une caisse cassée, cachée et non pas cassée. Alors, si je casse une caisse, tant mieux. Mais du coup, les gemmes blanches, comment on sait quelle gemme blanche permet de débloquer un truc? C'est ça que je comprends. On va voir si j'y suis. Allez hop, c'est parti. L'araignée elle est là. À mon avis, y a rien. Oh mon gars, le timing! Bulbaga. Ça, je pourrais trop y aller là. Je sais pas de quoi j'ai peur. Putain, par contre, pareil, lui, quand il se met. Je l'aime beaucoup, hein. À coup, il m'a sauvé la vie, tout ça, plusieurs fois. Mais quand il se met devant toi... Mais non! Mais c'est un scandale, ce jeu! Vous me faire chier, pardon, poussez-vous. Mais non. Allez, j'ai deux vies. Pardon, poussez-vous. Allez. Ce coup-ci, je vais au moins jusqu'au checkpoint parce que là. Ça coûte rien. Ouf. Faut vraiment que j'arrête. Ça, c'est vraiment le réflexe de ouf, quoi. C'est un réflexe que j'ai pris il y a quoi? C'est il y a plus de 10 ans. Non, mais oui, mais largement plus de 10 ans. Je jouais ça, j'avais 10 ans. Il y a 14, 15 ans. De sauter quand un saut ne passe pas sur Crash. Là je fais n'importe quoi là. Là tout ce que je veux c'est mourir en plus. Mais sur l'occasion de tester des trucs, t'as raison. Ouh. Ah, c'était game over. Non mais. C'est une habitude que j'ai pris ouais il y a plus de 15 ans quoi. 15 ans. Ah je devais jouer en 2002-2003 ce jeu. À O3. Et pareil sur Game Advance, ça devait être la même époque. Et ouais, c'est des habitudes que j'ai pris il y a tellement longtemps et ça revient, mais naturellement quoi. Genre, la version de Game Boy Advance, j'ai pas dû y jouer. C'est la dernière version à laquelle j'ai joué. Enfin, je crois, ça se trouve, je sais même plus. Mais j'ai pas joué, franchement, j'ai pas joué à un Crash Bandicoot depuis au moins 15 ans sûr. Allez, peut-être 12 ans. Et je peux vous assurer que les réflexes d'appuyer sur. La tornade juste avant de tomber dans le vide, et ben ça m'a pas quitté. Hein. Et ça, quand même, c'est fort. Voilà, je prends vraiment pas de risque. Hein. Voilà, normalement, tu pourrais, si tu veux aller vite, passer. La petite ligne bazar. Mais non! C'est pas grave! C'est absolument pas grave! Ah oui, donc là c'est elle que je chope, ok. Mais non, mais on va pas recommencer à faire les erreurs d'antan. Non mais ça par contre ce qui me fascine c'est... Exactement pareil qu'avant. Ce qui me fascine c'est à chaque fois je lâche... Mais regardez! Mais non mais... Oh j'ai survécu, mais à chaque fois je m'en retrouve tellement beaucoup plus loin que je pensais. C'est totalement fou. Est-ce qu'il y aurait pas un chemin là-bas, non? Vous savez, j'ai envie d'aller voir parce que je suis quand même quelqu'un de curieux. Et il faut vraiment. Enfin, je sais pas en fait dans quelle mesure il y a des trucs cachés dans ce jeu en fait.
Après, peut-être que le truc de cortex est sur le chemin de la... Mais oui, mais... Réfléchis avec ta tête, arrête de penser avec ton cerveau. Réfléchis avec ton cœur, ok? C'est une blague là ce qui vient de se passer. C'est les putains de chauves-souris. Non mais c'est sérieux. Il me reste une vie quoi. Non mais c'est trop une blague le coup de... Oh je crois que j'ai trouvé un chemin à la droite. Allez, il me reste une vie, ça se tente hein. Ah mais non, je pense que c'est trop du bullshit ce que je suis en train de me dire. Il y a absolument aucun chemin à droite. Mais non, mais le saut il était bien. Arrêtez d'être méchant avec moi. Fin de partie. Non mais vous êtes rendu compte que le jeu a été pensé pour être fait pour des enfants. Des enfants. Non mais imaginez ça avec le fait que si avant vous tapiez un game over, vous recommencez tout le niveau à votre dernière sauvegarde. Donc c'est à dire la dernière fois où vous avez fait le niveau avec la meuf et les trois médailles à trouver sans mourir. Est-ce que vous vous rendez compte? Le traumatisme que ça devait être quand vous étiez un enfant. Chaque personne... Les gens osent dire que les jeux sont trop faciles. Enfin... Non, justement, ouais. C'est vrai que de nos jours, les jeux sont même plus faciles, hein. Mais après, le jeu était pas dur, enfin, était pas plus dur que celui-ci. Alors là, ce qui se passe, à chaque fois, je comprends pas. Pourquoi tout s'arrête? Et genre, moi, j'ose rien faire parce que tout s'arrête. Quand tout s'arrête, généralement, on ne tente rien. Non, et du coup, les gens osent dire que les jeux étaient plus durs à l'époque. Alors, pas nécessairement, c'est juste que c'était leur mécanique de sauvegarde, souvent, qui rendait les jeux de l'époque très très durs. Maintenant, n'importe quel jeu de l'époque, vous mettez une sauvegarde manuelle ou automatique avec des checkpoints, tout ça, ça devient beaucoup plus simple. Il suffit que le jeu ait un système de sauvegarde punitif pour qu'on dise qu'il est difficile, alors que des fois, bon, ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça l'est. Je ne dis pas le contraire. J'en ai combien, vas-y? Oh, j'en ai encore 4. C'est bien, maintenant, on va arrêter de crever comme une merde, ok? On va passer les trucs, les obstacles des fois passés. Voilà, elle est où la difficulté? Mais elle est pas là la difficulté. Genre ce saut là aussi. Il y a un changement de perspective en plein milieu du saut, ce qui fait que la première fois que vous voulez le faire, vous vous dites mais elle est chelou quand même cette perspective. Et après vous vous rendez compte que non, c'était facile en fait. Là voilà, donc je sais pas où était la difficulté. A galéré pendant 6 ans et demi. Voilà. Et je suis pas mort exactement comme ça la dernière fois, genre en mode vous me foutez de ma gueule, vous me faites sauter à chaque fois, et là je saute pas. Si, je crois, ouais, ça me dit un truc cette mort débile là. Allez. Là, il y a arnaque quand même. Hein. Il y a arnaque sous chapiteau. Hein. Et j'aime pas ça. Ah, là, c'est le moment où tu fais pitié, arrêtez. Ah, là, ça sert à rien. Se sauter. Hein? Maman! Ah, il y a les pommes là. Ok. Just kill the man. Bon, donc je suis quasiment sûr que le truc de notre ami Cortex a 112 caisses, ok. Mais non, je viens de me faire arnaquer là encore une fois. Deux vies. Toi, allez, mais non, mais ça, ça me saoule. Ouais, le truc de notre ami Cortex, je suis sûr à 270% que c'est dans la plateforme bleue. Là, j'ai tenté des trucs absurdes alors que même le passage avec Cortex n'est pas absurde, vous voyez ce que je veux dire? Donc là déjà ce que je vais faire c'est toi, je vais
niquer comme ça et je vais pouvoir aller. Il est là! Ah ouais, là j'avais même pas peur des flammes parce qu'à un moment. Est-ce que la clé, je la débloque ou est-ce que je devrais refaire toute cette épreuve? Effroyable épreuve! Non mais c'est bon, j'ai un checkpoint. Est-ce qu'il y a des vies chez Cortez? Cortex. Non! Rebranche-toi, petit téléphone! Oh oui! Ah oui, là on n'est pas du tout dans de la difficulté absurde. Tout le monde est content. Ah c'est pareil, vous me dites, mais c'est contre-productif, tu devras refaire le niveau avec la plateforme bleue, mais j'aurai quand même la clé. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quand même moins cher que gratuit. Non mais après, il suffit juste d'utiliser un petit peu de réflexion. Hein. Là par exemple, c'est le caca. Donc vous revenez vers la gauche comme ça. Oh oui. Ah, il y a une vie. Cortex. Voilà, les pyramides, va niquer ta mère. J'ai une vie. J'en aurai deux du coup à la fin. Fais chier. Ouh. Mais des fois ils se rendent compte ou pas? Ça que je me pose, c'est ce qu'ils se rendent compte des fois que quand t'es complètement hors timing ou quand tu fais pas le bon saut, ça va, t'acceptes la mort. T'acceptes la mort beaucoup plus facilement. Par contre, je suis désolé, mais quand t'as l'impression de faire ce qu'il faut et que tu rates d'un millimètre et que là tu fais deux fois ça la même erreur d'affilée, tu te dis mais est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Ou est-ce que le jeu se fout de ma gueule? Après, celui-ci est facile. Celui-ci, déjà, il est un peu plus tendax. Voilà. Lui, si tu n'atterris pas sur la première caisse, t'es capot. Moi, j'ai absolument besoin de la vie en rade. Et de la clé. Je fais ça pour les deux. Hein. Il y a vraiment moyen d'être tranquille. Par contre, c'est pas la même histoire. À moins de peut-être en partant vraiment au dernier mot. Comme ça. Ah non, pas au dernier mot. Alors oui, mais si. Si. Ok. Mais pas dans le même ordre. Parce que l'explosion détruit la première caisse. Ok. Ça, il faut prendre en compte. On se calme tout de suite, les lapins. Ah, c'est bon, t'as faim, j'ai compris, mais c'est pas l'heure encore. Ah, c'est déjà cette heure-là en fait. Oh, je m'y attendais tellement pas! Ouais, alors là, j'ai pas vu la différence, mais c'est pas ça. Mâchoire des ténèbres. Allez, donc là, y'a là! Soit 31. Oh, je rechoppe une vie en plus. Ah, normalement, y'a une. Bah, elle est où là? Ah c'est bon, j'en ai deux. Ok, la troisième est là-bas comme d'hab. Ah oui, c'est la fin du niveau quoi, carrément. Je la prends quand même, parce que même si c'est la fin 23, allez, je peux pas avoir le... Je la prends quand même parce que déjà il y a des vies et que il y a quand même une partie qui a l'air vachement chiante là. C'est bon, je vais juste voir ce qui se passait, ok. Voilà, il y a une partie qui a l'air vachement fin. 55. Ah ouais, donc il m'en manque bien une vingtaine encore quand même. Hein. Est-ce qu'il conserve le nombre de caisses? Alors, je suis pas sûr. Non, je crois que.
Je sais pas si celui Game Boy Advance conservait pas par hasard le bon nombre de caisses. Je sais pas si survie ici. Si je survie en fait. Okay. On va la jouer sécurité. Hein. Ah, il y avait une villa. Non mais je dis rien parce que si le truc le compte. Non mais non, il conserve pas, faut faire. Donc là il y a une vie. Enfin pas là, mais à celui d'après il y a une vie. Oh j'ai fait me jeter dans le vide comme un con. Oh oui! Malinx! Et là, il y a les deux vies habituelles. Cette vie, elle est rentable ce niveau. Tu te calmes! Ça marche! Il a pas. Je hurle, il a pas. C'est qui, monsieur? Pardon? Ma gueule. Ah ça passe en fait. Et là pareil, cette perspective là, comment vous pouvez savoir si vous allez pas aller trop loin ou pas? Mais j'ai raté plein de boîtes mais en même temps. La terrible épreuve de Cortex. Ah oui, à chaque fois que j'ai une clé. J'avoue que le coup de la caisse explose quand si vous tapez le scorpion qui va faire exploser la TNT, c'est du génie. Enfin franchement les mecs ils se sont dit mais vas-y ouais ils se sont dit vas-y le scorpion s'il tape dedans ça va direct dans la TNT et la TNT l'explose. Respect les gars. Où on approche dangereusement de la fin. Les machineries du château. Ah, donc là par exemple, je sais qu'il faut une gemme verte ailleurs pour avoir un. En fait, j'avais pas remarqué qu'à chaque fois les conseils c'était par rapport au niveau en cours. Je suis un peu long. Ah oui, d'accord, carrément. C'est quoi l'arnaque? Non. Ah, on s'écrase même pas au sol. Non, celle-ci elle s'écrase pas. Oh oh oh. Ah, je me disais bien qu'il y avait un piège. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Quoi? YOLO Swag. Putain j'ai plein de vie en plus ça va me souiller. En fait ça me fait chier les niveaux. Pourquoi on peut aller sur cette plateforme là je ne sais pas. Ça me fait un peu chier les niveaux que je commence avec plein de vie parce que je sais que je vais perdre toutes mes vies bonus quoi, ça sert à rien en fait. Monsieur a eu un feeling de ouf, genre la lame elle lui a passé là il s'est dit. On va pas y aller quand même. Allez des fois j'ai des éclairs de génie. Ah moi c'est bon, on la fait pas hein. Alors là c'est pareil hein. Oh, est-ce que c'était une bonne idée de sauter? YOLO SWAG 31. Là j'ai changé de département. Moi je tente des sauts comme ça là, en mode... Je sais pas vraiment ce que je fais. C'est moi ou la plateforme? Je suis pas plus petit. J'aime bien, j'aime vraiment la musique. Hein. Là, sauter c'était peut-être pas un bon plan, donc on est content que ça ait marché. Celle-ci elle est vraiment pute.
J'arrive pas à savoir si en bas je vais y passer plus tard ou s'il y avait un chemin secret à y aller en fait. Mais vu que j'avais des caisses en haut, je pense qu'on y passe plus tard. C'est une blague ? Le timing il est aussi serré que ça. Ah oui là d'accord, ok, carrément en fait j'avais pas vu. Donc là c'est genre vraiment Mickey Bourum. J'ai de la chance, moi le hasard a fait que c'était plein synchro avec la musique. Yaaaaaah! J'adore. Yaaaaaah! Oh oui. Alors en fait, est-ce que je vais avoir un niveau. Une vie. Oh putain, d'un point. Oui! Oui! Et toutes ces deux pommes là, hop là. Alors c'est bon, c'est là bien l'endroit où on est passé tout à l'heure devant. Alors je sais pas si le niveau est super simple ou... Il m'a l'air simple. Hein. Attention, je dis tout le temps ça, puis après il y a un pic de difficulté. Non, ça va. De toute façon, ça on peut pas les tuer, donc... Oh non. Ça, il faut pas me faire ça, moi. J'ai tout le temps envie de les faire, ce genre d'épreuve. Machiavel. Eh ouais, non, faut que je casse les trois du haut. Je crois qu'on a failli tester si en effet j'avais raison. Vis-à-vis des tuyaux rouges. Parce qu'on a failli mourir quand même. Ah oui, je peux le faire comme ça aussi. Non, ça passe pas. Ah, il faut le tenter. J'ai encore quelques vies en rab. Allez, c'est bon ce coup-ci, je le fais comme je voulais le faire. À chaque fois, je me fais avoir là. Alors. Mais non! Ça, par contre, c'est... Est-ce que ça serait pas mieux d'utiliser les touches directionnelles pour ce genre de saut? Je sais pas. C'est un peu plus précis quand même. Vu que la pression du joystick n'importe pas dans ce jeu. Alors, déjà, alors. J'ai absolument pas compris le concept de ma technique. Bon, on va peut-être arrêter de se battre pour ça. Dernier essai, après j'arrête parce que je perds des vies en fait. Et du coup, dans le... Après. Ah, attendez. En fait, je veux juste voir si j'ai la bonne idée ou pas. Ouais, voilà, il suffisait juste de dire super essai, mais j'ai quand même perdu des vies en fin de compte, donc c'est pas du tout rentable. Oh, je vais bientôt avoir une vie d'ailleurs, par contre, par rapport aux pommes. J'ai hâte d'appeler ça des pommes. Les fruits wampum, pour moi ça sera toujours des pommes, ok? Parce que ça ressemble vraiment à des pommes, putain. D'ailleurs, il y a un fruit wampa dans Uncharted 4 qui est d'ailleurs, je pense, le trésor le plus dur à obtenir parce que ça a l'air assez aléatoire. Oh, dur. La façon de l'obtenir a l'air vraiment aléatoire. Assez aléatoire, c'est trop gentil de dire ça, c'est vraiment aléatoire, j'ai l'impression. Parce que j'ai essayé plusieurs configurations qui semblaient identiques et... Ne venez pas de moi. Donc là, en fait, je récupère aucune pomme, donc en fait, globalement... Voilà, juste pour avoir le niveau, les stratégies du curfew... Les trucs sont deux par deux en fait, hein. C'est-à-dire que... Hein? On m'arnaque? Qu'entends-je? Ah, parfait. C'est moins de gratter un peu des pommes, hein. C'est celui-là, non? Il faut bien que je me décale à chaque fois, oui. Si, si, il faut se mettre au bon endroit, c'est à peu près là. Et piou! Piou! Oh, oui, je passe pas. Okay, j'étais un peu trop à droite. Après, bon, c'est pas important, l'important c'est de survivre. Eh, mais en vrai, c'est pas vachement aléatoire la hitbox de ce truc. Ah, voilà, on vient de tester de la façon douloureuse les tuyaux rouges. Là, je commence à avoir plus beaucoup de vie. Putain, j'ai pas eu de gonzesse.
Et pourtant, je suis à 14 sur 27. Alors, je suis en train de me le dire. Arrête tes conneries! Attendez, parce que 14 sur 27, il va pas me manquer beaucoup en fait. Attendez, parce que là, je suis en train de réaliser un truc de ouf. Mais. Je vais quand même tenter de toutes les casser et je me dis peut-être que le chemin annexe est pour un autre niveau. Il m'en restait 6. Ah oui, mais attendez. Pourquoi 13 et pas 14? C'est quoi l'arnaque? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Attendez, je réfléchis un truc là, mais 26 caisses? C'est quoi ce chemin annexe? C'est pas pour une caisse quand même. C'est pas grave. On va jouer la safe-itude. Mais si! Mais si! Putain, mais oui, d'accord. Je comprends en fait. Il y a un piège. Ok. Mais attendez, c'est quoi le truc? Je l'ai joué en mode. Oh, mais j'aurais jamais toutes les caisses. Et en fait, si. Mais le niveau là, c'est juste là. Mais il s'arrête pas le côté. Hein. Concentre-toi. Ça par contre c'est trop dur pour moi. Hein. Mais oui. Mais alors j'ai pas compris, c'est quoi la gemme verte, elle sert à quoi? Est-ce que... Non mais je crois que j'ai grugé avec le checkpoint supplémentaire. Cette caisse était peut-être pas là avant. Parce que là je vois pas à quoi elle sert. La gemme verte. Et j'ai pas la ref. Ça c'est ma nouvelle phrase, quand je comprends pas je dis que j'ai pas la ref. Non, j'ai pas compris. Docteur Nitrus Brio. Ah oui, on est vraiment proche de la fin du jeu par contre. Si tu écrases un blob, ça éclabousse toute la salle. Ça, ça va être un vrai boss par contre. Oh, il a beaucoup de vie. C'est un chaos direct. Oh! Qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière vie? Ouais. Fin de partie. Totalement oublié de sauvegarder à la fin de l'épisode précédent. Non mais... Mais what? Aïe aïe aïe, mais c'est trop dur. Et là je pense pas que le jeu va me donner un casque à un moment ou à un autre.
Ça par contre c'est dur parce que j'arrive pas à comprendre quand est-ce que ces trucs là ils sont invulnérables et quand je peux leur sauter dessus. Déjà avec la perspective c'est pas facile. C'est vert ou c'est violet? Violet j'esquive. Enfin vert aussi j'esquive, mais vert au moins j'ai un truc à tenter quoi. Ouais. Regardez-moi les perspectives et leurs sauts aléatoires. De la mort. Il va me lancer des violettes, je sens. Il va me lancer trois blobs en même temps. Ça serait pas poli, monsieur. Bâtard. Plus qu'un point de vie. Ok, là, c'est... Oh, tu te calmes direct. Ouais, tu fais quoi? Tu t'es suicidé? Non, il s'est pas suicidé! Alors ça, ce truc-là, il tombait quand même aléatoirement dans le niveau. Hein. Il fait quoi? Il fait quoi? Mais il fait quoi? Je dois faire quoi? Oh, si, j'ai compris. Non mais c'est tellement aléatoire. Ah super. C'est vraiment pour ma dernière. Hey, c'est un double j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un double. Hein. Petite feinte. Non, c'est un simple. Allez, lance-moi tes trois blobs. Moi, je suis désolé, mais sa partie. Je suis un géant des apps. Là, je comprends pas. Ouais, mais ça, les blobs. La perspective de ce jeu, c'est ton seul défaut. Fin de partie. Pour le moment, le jeu, les deux seuls défauts que je lui trouve, c'est ses problèmes de perspective, mais qui sont scandaleux. Et le niveau. Avec les tortues là. Faut sauter au-dessus des vides et que c'est très random. Bon là du coup maintenant j'ai le truc pour m'aider à chaque fois mais... La perspective sur les blobs est très complexe, hein. J'ose même pas imaginer... Après je sais que Gag du Necho m'a dit que... Il y a certains trucs qui étaient vachement durs dans la version d'origine qui est beaucoup plus simple dans celle-ci grâce à la nouvelle perspective et d'autres... Enfin la nouvelle... Les graphismes, ce que les graphismes apportent à la perspective et d'autres qui sont justement beaucoup plus durs dans la nouvelle alors que ça passait tranquille dans l'ancienne. Alors là par exemple j'étais persuadé de retomber dessus donc là je vais devoir me le refaire en mode... Non là il va m'en lancer 6 je crois avant. Ça c'est le moment tricky, c'est le moment où on fait demi-tour après ça va. Mais en fait je sais pas à quel moment je considère que je peux lui sauter dessus ou pas. Le jeu ne te dit pas. Le jeu te laisse la surprise. Déjà, il est lent. Les timings sont lents. J'aime pas ce boss. Autant pour les autres boss, je les ai bien aimés. Surtout celui avec la mitraillette. J'ai trouvé que c'était vraiment une super ambiance. Celui de la TNT était chiant aussi. Il était beaucoup trop random. Mais Papou Papou était rigolo. Celui-là, le koala aussi était assez rigolo. Oh! Attendez, je vais peut-être avoir un essai pour essayer de comprendre. Parce que d'abord, j'y suis arrivé du premier coup, mais je pense que c'était plus de la chance qu'autre chose. L'important, c'est pas de me prendre une fiole dans la gueule, parce que ce serait vraiment dommage de perdre à coup comme ça. Faut juste que je passe bien au-dessus de lui quoi. Il
vraiment à peu près au dernier moment de sa charge, quand il commence à être très frais. Mais pareil, c'est compliqué à déterminer en fait, c'est tout. Bon là je pense que ça passe. Oh bah si, c'est passé. Ok. Oh, ça c'est beau là par contre. Ni truce ni mauvais. Je sais pas, il reste 10 minutes. Je pense qu'en une, j'aurai pas le temps de faire un niveau. Je vais m'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Parce que de toute façon, je compte faire le jeu à 100%. On va faire les gemmes et tout après. On va pas faire un let's play de 6 épisodes. The Lab. Il reste 3 niveaux. Alors, je vais sauvegarder comme ça, on va éviter les problèmes gênants. Non, j'ai encore failli me faire avoir en chargeant le sauvegardant. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du SP. Salut à tous!